Salut tout le monde, c'est Flo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Hunger Games sur les serveurs de Garry. Donc après deux petites vidéos, on va dire qui étaient plus découvertes, voilà, sur d'autres modes de jeu que l'AG, bah, ça me fait plaisir de retourner un peu dessus. Donc pour l'occasion, j'ai pris un kit qui peut être intéressant à faire en vidéo, parce que c'est un kit qui n'est pas extrêmement utilisé, mais qui est quand même assez fun, qui est le kit éleveur, donc qui me permettra d'avoir beaucoup de chiens. Et donc ça va être assez cool, vous allez voir. Pour le peu de parties que j'ai testé avec, bah, franchement ça... Mes chiens ont été énormes, ça gère vraiment, faut pas croire que c'est un kit qui... bon, qui est assez limité, voilà, qui est un peu inutile, et pas du tout en réalité. Tout simplement parce que, voilà, je vais pouvoir faire spawn mes chiens en prenant de la bouffe, plus précisément de la viande, je vais pouvoir les multiplier. Et les chiens, ça fait quand même très très mal, et surtout c'est assez rapide, ça va assez vite, c'est assez chiant vraiment à tuer, donc ça va être vraiment sympa. Sinon j'espère que vous avez passé des bonnes vacances, évidemment. On est chaud pour la rentrée, mais on est chaud également pour les prochaines vacances qui sont dans pas extrêmement longtemps. Et ça gère pas mal. J'espère que eux, ils vont pas trop me suivre. J'ai essayé de m'éloigner un petit peu, hein. Au début, on va pas foncer au spawn. J'ai pas envie de mourir. Comme une merde dans tout le monde. Allez, un maximum de viande pour pouvoir nourrir mes bêtes. Mais vous allez voir que ça va vraiment être sympa. Ok, voilà. Donc maintenant, je peux les faire spawner. Donc on a suffisamment d'os pour pouvoir les tous les élever. Voilà. J'espère que j'aurai pas trop de freeze non plus parce que mes releases ça me fait des petits freeze hein, bah, comme à chaque fois, hein, c'est pas une nouveauté. Mais ça c'est chiant quand même. Ouais, par contre là les chiens, bah, ils ont été tendus à élever. Hein. Ah voilà, impeccable. Hop, on va en nourrir un. On va également en nourrir un deuxième. Un troisième, un quatrième. Voilà. Comme ça on va faire des petits bébés chiens puis on va enfin pouvoir y aller. Donc quelqu'un qui se situe à 120 blocs, donc c'est quand même assez loin. Hein. Je suis allé, ouais, j'ai pris mes précautions, je suis allé assez loin. Il faut savoir que j'ai désactivé aussi le son des éclairs, mais ça c'est pas une nouveauté. Tout simplement pour pas que, bah, voilà, pour pas que ce soit spam, surtout au début quand on est 200 personnes. Il y a beaucoup de morts à la seconde. Donc pas... Après tu vois, enfin tu vois, je tutoie et tout, on s'entendrait plus ni rien. Donc voilà, c'est mieux comme ça. 50 blocs, donc il est parti assez loin. Je pense qu'au début il n'y aura pas forcément énormément de kills. Ah ok, il a un arc. Allez. Ce serait cool que j'arrive à le tuer. Impeccable. Ok, donc ça me fait déjà un petit arc. Tous mes chiens sont hâles. Il y a pas mal de vaches en plus. Donc là, faudrait que j'arrive à choper les deux autres personnes qui sont là. Mais regardez, mes chiens ont déjà fait... Bah... Ok. Ok, faut que j'arrive à back un coup. Allez, à l'arc. Ok, c'est bon. Ils se font courser par mes chiens. Ils sont en galère. Mais mes chiens, regardez vraiment là. Ils foncent, ils ont pas peur. Allez. Oh, si je rate toutes ces flèches, ça va être tendu, putain. C'est dommage que je les ai ratées. Allez. Toujours pas. Ouais, là, je me suis pas vraiment débrouillé à l'arc, hein. Et au final, j'ai perdu pas mal de chiens. Bon, c'est pas grave, il m'en reste quand même assez. Je sais pas, bon, je vais me claquer la speed quand même, histoire de les choper plus vite. Mais ils ont perdu beaucoup de vie aussi. Donc, on va aller sur eux. Je suis assez déçu, hein, parce que, enfin, franchement, je trouve que j'ai pas trop géré. Il y avait un peu trop de chiens. Allez. Voilà. Lui, par exemple, se le faire. Je vais plus vite que lui. Voilà, moins un. Et lui. Voilà, impeccable. Ok, j'ai réussi à tuer les deux. C'était quand même assez tendu, hein. J'ai eu chaud, j'ai cru que j'allais crever. Maintenant, je peux être stuff. J'ai plein de viande pour avoir plus de chiens. Parce que là, il y a pas mal de mes chiens qu'on subit qui sont morts. En plus, il faut que j'arrive à régénérer leur vie, etc. En tout cas, ils ont fait du bon taf. Je suis fier d'eux. Je suis fier de mes toutous. Allez, j'ai un peu de poulet en plus. Bon, par contre, c'est quand même assez tendu à gérer. Voilà, allez. Mais. Voilà. Faut croire que le poulet ne fonctionne pas sur eux. Bon, on va back un coup. Hein. On va essayer d'aller retrouver d'autres personnes. Il reste déjà plus que 36 personnes. Mais bon, c'est surtout vers la fin après que les kills sont assez concentrés. Du coup, ça me pose pas trop de problème. On va pouvoir y aller tranquillement. Des petits moutons. Je crois que j'avais voilà, j'avais pas mal de cookies. Ça, c'est assez cool. 185 blocs. Bah, ça va, on a le temps. On va y aller tranquillement. Mais je pense que je suis plutôt bien parti. Surtout avec l'épée en fer que j'ai pu ramasser. Et mes trois petits toutous qui seront hâles pour me protéger en cas de problème. Et regardez, ouais, je comprends pas trop pourquoi j'arrive pas à leur donner la viande en fait. Je bouffe un cookie. Voilà. Allez. Non, bah ok, non d'accord, ils veulent pas. Je sais parce que la bouffe diminue vite en fait, je pense, hein, surtout. Émeraude, 134 blocs. Bon, bah ça va, on a le temps quand même d'y aller. C'est toujours assez loin, ouais, bon, c'est. Je sais que j'ai fait un peu la connerie de m'éloigner, mais bon. Enfin, il y a un petit temple là-bas aussi, on aurait pu y aller. Visiblement,
c'est sous terre ou alors c'est par là-bas. Je crois plutôt que c'est sous terre. 85 blocs. Ouais, bon, si. S'il est monté, ça va pas le faire. Ça va être. Ah, c'est bon, je vois le pseudo. On va pouvoir y aller, je pense que bah, il va être assez surpris par mes chiens. On s'approche doucement de notre cible. On y va. Ok. Eh bien, stuff quand même. Voilà, ok, impeccable. Ouh, j'ai vraiment eu chaud, mais je crois que mes chiens m'ont encore aidé, même si c'est moi qui les ai tués. Je vais pouvoir prendre le casque et prendre également la petite pomme d'or. Non, il n'y avait pas de pomme d'or. Non, il n'y avait pas de pomme d'or, mais il y avait un plastron fer, donc c'est encore mieux. Je suis vraiment extrêmement stuff. Et j'ai toujours ma clique de chien. Bon, j'étais revenu à pas énormément de cœur. Mais bon, c'est pas trop grave, c'est quand même. Allez, allez, mes chiens. Allez. Non, ça, ils ont pas envie de faire des bébés. Dommage. Ah, bah, j'ai un petit toutou déjà ici. Ok, impeccable. Bon, on va pouvoir aller sur le mec suivant. Hein, 200 blocs, hein, ça va, il est pas extrêmement loin. Par contre, on va quand même faire gaffe en descendant parce que j'ai pas envie de me casser un truc. Se casser un truc sur Minecraft, attention. Voilà, j'ai perdu des petits cœurs. Bon, ça va. 145 blocs. J'ai toujours ma speed aussi. Ce serait vraiment cool que j'arrive à régène. Ils sont mes chiens. Ils sont toujours là. Ok. Parce que j'avais fait une partie juste avant et j'avais carrément réussi à avoir, je sais pas, une dizaine de chiens, quelque chose comme ça. Malheureusement, je suis mort. Mais c'était quand même assez impressionnant et enfin, franchement, c'était assez sympa. Et ils faisaient des dégâts, mais immenses, genre. Voilà, c'est des. Ce qui est cool aussi avec les chiens, c'est que bah, en fait, il y a plein de stratégies qu'on peut faire avec. Ça va être, ouais, ça va être une partie vraiment parler des chiens sur Minecraft. Mais déjà, quand vous prenez un knockback, eux, vu qu'ils sont pas allés au combat d'abord, bah, ils peuvent sauter sur l'adversaire au moment où il vous met le knockback. Comme ça va lui l'empêcher de vous combo, par exemple. Et quelqu'un qui brûle. Allez. Voilà, impeccable. J'ai eu. Bon, je l'ai eu vraiment par surprise et je trouve que j'ai bien géré ma flèche. Si je la ratais, bah, j'étais un peu dans le caca, comme on peut dire. Alors, mes chiens, ça va? Bon, je sais pas si. Bon, du coup, il y a beaucoup de stuff. Faudrait que j'arrive à prendre le temps de le trier. Ça va être tendu. Parce que, bon, je pense qu'il y a pas mal de joueurs également dans les environs. Les popo heal, ça, il me les faut absolument. C'est hyper utile. Sinon, il y avait quoi? Il y avait un seau d'eau et il y avait d'autres flèches. Donc, ça, c'est hyper important également. C'est surtout le seau d'eau et le briquet, en fait, que j'aimerais bien récupérer. C'est bon, personne à côté de moi. Parce que bon, mes chiens, ils sont sympas. Mais je pense pas qu'ils aient la rapidité quand même de venir me sauver si quelqu'un me saute dessus d'un coup comme ça. Voilà. Ok, personne d'autre. Le petit briquet quand même qui peut toujours servir. Le pantalon en or, j'aurais pu le prendre. Mais je pense que je vais le laisser. Ça, franchement, ça donne pas énormément de protection non plus. Ok, ça fait rien. Allez, faites des bébés. Voilà. C'est des chauds, mes chiens, un peu. 176 blocs, on va pouvoir y aller. C'est dommage également qu'il n'ait pas eu de popo de vitesse, parce que ça aurait pu nous être vachement utile. On va faire comme ça, on va faire avec, hein. Tant pis. Parce que beaucoup de joueurs sur les serveurs de Garry utilisent des potions de vitesse, donc ça s'est tendu. Là, vous avez devant moi une vision d'horreur, une tower. Et ça, c'est assez chiant. Il y en a beaucoup sur ces serveurs. Moi, j'adore camper, du coup, je peux pas trop les critiquer, hein. Et ça fait partie du jeu, mais c'est vrai que, enfin, franchement, quand on est en vidéo et tout, c'est assez chiant de croiser une tower. Surtout, enfin, je sais pas si le mec est dedans ou pas, mais. Ouais, il est dedans, malheureusement. Ils sont deux, Xola, mais Monsieur Rubikub, ce sont une team de VIP. Donc ça veut dire qu'ils ont des kits, potentiellement des kits pour pouvoir bien tower. Du coup, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va les. Il y a un truc qui est tombé. Il y a des objets qui tombent tout seul. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les éviter, puis que voilà, il y a un autre mec là-bas, et lui, par contre, on va aller sur lui. Ouah, il a calé une très bonne flèche. On va se manger une petite pomme, puis on va pouvoir y aller tranquillement. Je sais pas trop si. Ouais, franchement, il est bien stuff. Il y a du stuff encore ici. Je le vois, il s'enfuit. Ça va être un combat assez chaud, hein. Je pense qu'on a tous les deux nos chances. Par contre, lui, il a une potion de vitesse. Voilà, j'ai réussi à lui claquer deux coups. Allez. Ce serait cool qu'il s'enfuit pas trop quand même. Bon, j'ai mes perles, mais bon, je sais pas si j'utilise. Allez, si, j'utilise, c'est toujours utile. Par contre, j'ai fait mal à mon chien sans faire exprès. Voilà, impeccable, j'ai réussi à le tuer. C'est chaud quand même, hein. Petite popo splash, toujours cool. Bon, allez, mes chiens, faut que je leur régène un peu de vie parce que là, ils ont pris très cher. Allez, mes toto, voilà. Non? Le petit veut rien? Ok, bon, c'est bon, hein. Je peux trier mon stuff tranquillement.
Bon, les blocs, je sais pas si c'est vraiment une très bonne idée de les lâcher, parce que bon, sachant qu'il y a plein de towers et tout. Voilà, je pense que je vais lâcher des trucs comme ça. J'ai toujours du mal à trier mon stuff, hein. Je pense que depuis le temps, vous me connaissez, vous l'avez remarqué. Des squelettes. Pourquoi pas? Ah, des spiders, ça peut être cool. Bon, il n'y avait pas forcément des trucs hyper utiles, hein, ici, de toute manière. On s'est pris un autre mec, donc ce mec-là, c'est pas un mec de la tower. Ah mince, mais 1 minute, le fist, 415, moins 91. C'est par où, ça? Ok, bah on va foncer au fist, hein, je pense. C'est par là. On va foncer au fist, hein, on va pas prendre de risque. J'ai pas envie de croiser des full diams en fin de game. Et je pense qu'il y aura peut-être des mecs au fist, du coup, on va faire quand même assez attention. Je pense pas qu'on ait le temps vraiment d'y aller. C'était combien déjà? 415, moins 91. Bon, heureusement, je suis allé, enfin, je suis à peu près dans la bonne direction. Genre, à 200 blocs par là, on y est. Est-ce qu'il y a quelqu'un? T'as un mec à 80 blocs. Donc, qui visiblement a envie d'y aller aussi, mais on va essayer d'aller avant lui. Hop, on va lancer une petite perle pour y être plus rapidement. 415, moins 91, par où ça peut être? Bon, déjà, enfin, je dérive un peu dans l'autre axe. Voilà, par là-bas. On va y être bien. J'ai toujours pas de petite botte aussi. 4 secondes. Ok, il y a quelqu'un qui est au fist. Ça va être chaud. Ça va être un beau combat, je pense. Il va être pas mal stuff. Mais bah, je compte sur ma clique. Et sur mes chiens. Pour me garantir la win. Il y a un mec derrière aussi. Lui, on va se le faire. Bon, je vais le laisser au final. Lui, il faut vraiment le tuer. Voilà, il s'est pris ma lave. Je pense que j'ai réussi à le tuer. Mes chiens s'en occupent. Voilà, c'est mes chiens qui l'ont tué. Impeccable. Attends, faut que j'arrive le plus vite possible à ramasser beaucoup de stuff. Hop. Oh, il m'a fait peur. Impec, j'ai eu aussi. Waouh, c'était quand même assez tendu. Je vais voir si quelqu'un d'autre se rapproche. C'est bon. Waouh, 7 kills. Il reste 6 joueurs. Donc je pense que là, ça va être des campeurs. Hein, pas forcément des mecs qui combattent. Sinon, ils seraient venus. Il serait venu au fist, hein. Quoique, j'ai déjà croisé des personnes qui restent assez à l'écart du fist, etc. Qui cherchent pas trop la merde, ni rien, ni rien. J'ai déjà mon épée en diamant, ce serait con d'en ramasser encore une. Un pantalon en fer, ça par contre, ça pourrait être assez sympa. Mais je me suis pas, en fait, j'ai pas foncé sur le mec parce que j'avais peur de perdre des vies. Je peux pas perfect, enfin on peut pas perfect un joueur, c'est quand même assez dur. J'avais peur de perdre des vies et que l'autre vienne me ramasse miettes, mais au final, bah, avec ma lave et avec mes chiens, qui ont fait un magnifique kill comme on peut voir dans le chat. Bah ça a permis de me sauver. Malheureusement, je crois que deux de mes chiens. Ouais, il reste que plus que deux mecs. Enfin, deux mecs, deux chiens. Dans ma grande famille. Un bébé qui va pas faire grand-chose. Et un chien normal. Donc bah au moins ils ont réussi à bien gérer, à me sortir d'une situation compliquée, quoi. Qu'est-ce que je peux jeter comme stuff? Bah je pense qu'on va jeter voilà, des petits trucs qui sont là, des perles. Hein. C'est un peu à contre-cœur, mais il n'y a pas trop le choix. Et je pense qu'on va également prendre des bottles d'XP. On peut les stacker, c'est magnifique. Combien il y a de bottles? Voilà, il y a encore des bottles ici. Quand même faire un stuff enchanté si je croise des. Parce qu'il n'y a pas vraiment de full diams hein, au fist des serveurs de Garry. C'est pas des fists hyper cheat. Il n'y a pas de popo force ni rien. Mais bon, du coup, l'avantage en fait de ces fists, c'est surtout de pouvoir s'enchanter, etc. Bon, une knockback 1, ça c'est cool contre la tower si je parviens à monter. Projectile protection, c'est pas forcément hyper utile. Protection 1, hein, c'est la base. Ça, c'est du unbreaking. Alors le mec. Ok, bon, ils sont toujours aussi loin. Ça pose pas de problème. Alors, hop, et un petit arc. Voilà, power 1, impeccable. J'ai quand même gardé mon seau de lave au cas où, puis je pense qu'on va pouvoir y aller. Écoutez, hein, tranquillement. Voilà, je mets mes petites popos. On y va. J'espère que mes chiens. Bon, je vais prendre la TNT aussi parce que contre la tower, ça peut être assez efficace. Étant donné que j'ai également un briquet. Ce qu'on va faire, c'est que. Voilà, les ponts, les plaques de pression, ça va pas me servir à grand chose. Voilà, ce serait la TNT qui serait cool à prendre. Je sais pas trop quoi virer comme d'habitude. Bon, voilà, c'est bon. On y va. On va y aller tranquillement. Je vais balancer une petite perle d'ailleurs pour y aller plus vite. Petit MLJ. Bon, j'ai raté complètement mon MLJ au fist. Hein. Je pense que vous l'avez remarqué. J'ai eu honte. Mais bon. Franchement, je savais que enfin, il était vraiment prenable le fist parce que, je sais pas, le mec n'a pas été très rapide dans sa manière de se stuff, etc. Il avait un peu du mal.
Que bah voilà, on va voir comment ça va se passer hein, la suite de cette game avec mes deux petits chiens. Et le bébé encore. Je sais pas combien de temps ça m'a à grandir hein, les animaux comme ça sur Minecraft. Hein, je crois que ça se compte en minutes. Par exemple, un mouton, je crois que c'est 7 minutes. Quelque chose comme ça. Mais après, je suis pas un wiki portable. Enfin, j'ai pas de wiki portable sur moi. Ils sont tous à 0 kill. Donc ouais, j'ai bien peur que ce soit que des towers. Donc ça va être une fin de game décampage. Où mes chiens, bah je pense, sont pas hyper acrobates non plus. Du coup, ils vont pas pouvoir trop m'aider. C'est vous qui êtes en tower. Ok, on a un dialogue entre deux personnes et tout. Donc visiblement, t'en as un qui est pas en tower. Parce que sinon, s'il dit que c'est vous, etc. Ok, donc je pense qu'il y a deux personnes en bas. 83 blocs. Ouais, je pense qu'il y a deux personnes en bas. Ce serait cool de réussir à les tuer. Malheureusement, ce que j'ai peur en fait, c'est que. Ah bah non, Ortoris. Ok, Ortoris, c'est un mec en tower. Mais il était pas tout à l'heure, j'ai l'impression. Ok, ça veut dire qu'il y a des towers qui se repeuplent et tout et tout. Bah écoutez, lui, si j'arrive à le choper, ce serait quand même un grand moment. Du coup. Il est beaucoup trop haut, je pourrais pas réussir à le défoncer. Ok, mais j'ai l'impression qu'en fait il y a une mini battle entre deux towers. Et dans ces cas-là, c'est toujours assez compliqué de. À moins que Blue Warrior soit en bas. Il y a qui dans cette tower exactement? Ah bah dans cette tower, il y a Blue Warrior et Arctios. En fait, non, il y a deux towers qui se ressemblent énormément. Et c'est celle-là que je confonds depuis le début. Bah donc ça va être quand même assez compliqué, hein. Je sais pas trop comment je vais faire. Bah pour me faire les deux towers, ça va être assez chiant. Donc je sais pas trop comment on va s'y prendre. Ça va être tendu. Il y a une double tower en fait. Les autres personnes, je sais pas trop où ils sont. Ils ont préparé des traps. Donc ça veut dire qu'ils ont sûrement des projectiles, des trucs comme ça. Donc là, on est quelle couche? On est couche 77. Donc je vais monter à peu près de. Quoi? Quinzaine de blocs. Voilà, 10 blocs. Et là, maintenant, je peux commencer à faire un chemin assez safe. Allez. Bon, il m'a vu. Voilà, je l'ai eu. Impeccable. Moins un. Voilà. Ouh. Heureusement. Sinon, il m'aurait bien fait chier pendant assez longtemps. T'as l'autre mec là-bas. Et t'as toujours le petit mec en haut. Donc là, on va monter sécure. Hein, une méthode classique pour monter. Histoire de pas se faire tuer. Donc, je sais pas trop où il se trouve. Hein, peut-être qu'il est. Il est descendu ou je sais pas. J'attends. Ben voilà, écoute mon pote. Attends parce que moi, j'arrive. Avec ma méthode sécure, heureusement que j'ai pensé à prendre les blocs. Il m'attend. Le mec, j'attends. Allez, viens me chercher. Ça se passe comme ça ici. Bon, malheureusement, ouais, mes chiens. Ils servent pas à grand chose dans ces cas-là. Et donc, ce que j'hésite à faire, c'est. Voilà. What? Ok, il a un anti-knockback. Ah bah non, c'est bon, je l'ai tué. Mais je crois bien qu'il avait quand même un anti-knockback, hein. Donc ça au moins c'est fait. Eux je sais vraiment pas comment je vais faire pour pouvoir les défoncer. Hein. J'ai une vague idée. Viens on allie. Lol. J'ai une vague idée mais... Enfin pff, non ça... Franchement c'est... Je pensais en fait à faire un canon à TNT. Mais ça va pas être la bonne solution je pense. Ça va être tendu. Je vais redescendre puis on va essayer de se les faire. Ok donc le mec se situe. Sous terre, donc vers je sais pas 60 blocs sous terre, donc on va essayer d'y aller. Donc je vais m'équiper, donc prendre de la TNT, de l'eau, c'est très important. On va pas forcément descendre en pique. Et ce que je vais prendre aussi, c'est une résistance au feu parce que ça peut être vraiment très utile. Bah, puis on va descendre. Écoutez, on n'a pas trop le choix. Ça me fait assez peur, hein, je le sens mal. Il y a un petit trou ici, peut-être que non, c'est pas une issue. Je sais pas trop par où il a pu se barrer, le gars. Ah ah. Ok, donc il s'est barré par là. Je vais balancer une petite TNT. Qu'est-ce qu'il y a? Oula, 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 oula. J'ai pas du tout confiance en fait à. J'ai pas du tout confiance en fait de ce que je vois là en dessous. Mais on va quand même y aller. On va quand même essayer d'y aller, de faire attention. Je vais peut-être lâcher mon arc. Viens nous déloger, je quitte. Je peux pas trop en fait. Je vais essayer d'aller en déloger un autre. Donc je vais descendre un petit peu comme. Bon, par contre, mon chien. Voilà. Voilà, impeccable. Je prépare ma TNT et là. Impec. Donc, on va pouvoir le voir beaucoup plus facilement.
Voilà, je pense que je vais réussir à le faire exploser. Ah bah c'est bon, il est juste là. Salut! Ok, bon, je comprends pas trop ce qu'il faisait, hein. Personne ne bouge, j'attends, etc. Je sais pas trop ce qu'il attendait, parce que bon... Waouh, quand même, il a dû bien se faire chier à tout creuser. Bah, donc je pense qu'on va remonter, hein. Tranquillement. Mais bon, c'est l'incompréhension, quoi. Que voulait faire ce mec? Personne ne le saura jamais. Il était juste suicidaire, en fait. Il avait même dû faire, mais qu'il n'a pas utilisé. Donc, d'accord. S'il voulait, hein. S'il veut, on va pas l'en empêcher. Ce que je vais essayer de faire, c'est de placer deux petites TNT en bas. Mais regardez, là, par exemple, il y a quelqu'un qui a essayé de monter un escalier. Il s'est fait défoncer. À moins que lui essaie de me mettre dans un piège. J'ai plus l'impression que ce soit ça, en fait. Donc là, on va monter jusqu'en haut de l'arbre. Déjà pour partir d'un sol qui serait plus haut. Vous m'avez compris. Puis là, maintenant... Bon, on va essayer de monter en mode un peu safe. Je comprends pas leur stratégie en fait. Raté. Allez. Là, dès qu'il pointe sa tête, je sens qu'il va essayer de me troll un peu. Allez. Ce serait vraiment cool que j'arrive à le défoncer. Allez, Inch'Allah, je tire maintenant. Ça va passer. Le mec. Allez, allez, allez. Putain, ça va être chiant et tendu. Bon, bah, on va monter. Et puis, on va essayer de les shot. Ok, j'ai réussi à les tuer les deux. Waouh, je suis le gagnant. J'ai pas trop compris leur trap, ils ont essayé de me mettre ici. Je pense que c'était ça. Ah ouais, c'était une trap à la MCPVP et tout. Je pense qu'après ils avaient pour objectif de... Bah tout simplement de m'exploser dans le... Enfin peut-être de péter sous mes pieds, de me tuer. Waouh, en tout cas je pense que j'ai vraiment eu chaud. Parce que ça c'est... Si je serais allé sous le pilier, je me serais fait défoncer. Donc j'ai eu raison de commencer à creuser à côté. Je sais pas trop comment j'ai réussi à faire tomber les deux. Je pense qu'il y en a un qui a pas forcément géré son coup. Mais en tout cas, c'était plutôt une bonne partie avec ce kit. Mes chiens ont quand même réussi à prendre le fist. C'est pas rien. Les premiers chiens gagnants du fist. Bon, après, c'est moi qui profite du stuff, hein, normal. Mais en tout cas, j'espère que vous avez bien aimé. On se retrouve dans une demi-semaine ou une semaine pour une prochaine vidéo. Et je vous dis, portez-vous bien, tout simplement. Travaillez bien, ça fâche. Et bonne journée et bonne soirée. Salut!